Alors là, il y a une super belle mobilier, enfin meuble, salle de bain. Donc là, on est à Brico Dépôt. Je voulais juste vous montrer des cuisines, des modèles. Et celle-là, je la trouve super jolie. Elle est à 4719. Donc le modèle exposé cuisine romance à 4719, tout compris. Donc je pense qu'il y a tout l'électroménager. Elle est vraiment magnifique. Elle est grande, hein. Elle est, il y a tout ça. Et jusque là, je vais vous la montrer de loin avec la verrière. Ça rend super joli. Elle est vraiment belle. Alors, je voulais vous montrer un meuble toilette super super sympa. Il est grand, il prend pas mal de choses. Ah ouais. Avec la petite douchette, franchement, la profondeur, elle est de 15. Elle est de 15, la hauteur, 1,90 m. Donc là, je vous montre. Alors là, c'est. Je vous montre parce qu'en fait, c'est un peu le même genre que le meuble de toilette que je vous ai montré. Et je trouve plutôt sympa, blanc avec boisé. Alors ce meuble là, là le blanc, il est à 339. Après j'en ai, voilà. Après pour ceux qui aiment tout ce qui est blanc et boisé, moi, je trouve ça super joli. Donc il y a ça. Donc la petite étagère, elle est pas mal la petite étagère. Vraiment pas mal avec le petit banc. Ouais, c'est super joli. Et le banc, ça se mettrait où? Ah, à côté d'un lavabo. Enfin, ouais. Alors, l'étagère, ouais, 85 €. Mais l'étagère, là, elle est vraiment jolie. Après, il y a la colonne 85. Et puis, le petit banc. Mais ça, c'est pas mal pour une salle de bain. Pour finir, il y a cette étagère. Enfin, cette colonne. Donc, elle est un peu plus fine que celle-là. Moins de profondeur. Mais plutôt pas mal. C'est plutôt pour les serviettes. Donc voilà, ce modèle là c'est le modèle Nina, il a 1391. Voilà, ça c'est celui qu'on avait vu à l'entrée. Ah oui, tu vois la commode, c'est plutôt pas mal, hein, demi-colonne comme ça. Donc là, donc pour tous ces meubles et ces meubles bas tiroirs, il y a 1, 2, 3, 4 tiroirs. Alors le prix en fait, voilà. Alors le prix voilà, en fait le prix il est de 429 €, mais pour ces meubles là, pour donc pour 1, 2, 3, 4, donc plus le plan de travail hors poignée, électroménager et puis robinetterie. Ensuite, il y a ce modèle-là. Ce modèle-là, donc c'est un modèle aussi assez épuré. J'aime beaucoup les demi-colonnes, ça se fait beaucoup. Alors là, il y a. J'aime bien commencer avec ce petit. C'est pas mal. Enfin, c'est pas, je regarde les cuisines parce que c'est pas pour moi. Moi, j'ai déjà fait ma cuisine, mais c'est plutôt pour ma mère qui veut changer et qui veut racheter une cuisine. Donc, c'est pour ça que j'en profite pour vous montrer en vidéo. Alors, ce modèle-là, il est super joli. Alors, c'est à peu près le même que ce qu'on avait vu tout début. Et ce modèle exposé, c'est-à-dire avec tout ça, il est à 1799 €. Ensuite, il y a ce modèle-là, pareil. Le prix de cette cuisine complète, je ne le vois pas. Mais en tout cas, elle est à 599 avec les meubles. Avec cette composition, voilà, c'est une composition type. Et pour cette composition type, elle est à 599. Donc, je vous montre les... Alors, je ne sais pas, c'est... Ah oui, d'accord. En fait, les poignées sont intégrées. Elles sont là. Voilà, les poignées, elles sont en dessous. C'est pour ça que je ne les voyais pas.
stock permanent. Alors, pour cette cuisine complète, elle est en grise, alors c'est tout simple. Donc, il n'y a pas de. Voilà. Il y a juste les poignées. Alors, pour cette cuisine, elle est à 1288. Alors, celle-là, alors c'est plutôt couleur taupe. Donc, pour cette cuisine complète, c'est laquée. Cuisine complète, elle est à 1514. Donc, poignée normale, comme ça. Trois tiroirs. Elle est jolie aussi. Donc, pour cette cuisine, c'est 1475. Donc, voilà. Et des poignées comme ça. Poignée intégrée. Donc, voilà pour Brico Dépôt. On a fait notre petit tour chez Brico Dépôt. Donc, comme je vous le disais, on a fait notre petit tour chez Brico Dépôt. Donc, je trouve qu'ils ont des belles cuisines et des beaux meubles de salle de bain. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc, voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager. Et puis, pour les personnes qui découvrent ma chaîne, je vous souhaite bienvenue. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.